Biden ne parvient toujours pas à convaincre ceux qui remettent en question sa volonté d'obtenir un second mandat. Richard Latendresse est avec nous. Richard, la Maison-Blanche qui dément maintenant qu'il est actuellement traité pour la maladie de Parkinson. Et voilà, un nouvel écueil, Julie, sur le chemin de sa réélection. Encore une fois, pour nos téléspectateurs, rappelons que le 27 juin, il y a eu ce débat épouvantable pour lui. Débat qui est venu confirmer le sentiment que son âge avait un impact sur sa santé mentale, sa santé physique. Et puis, l'interview de vendredi, très attendue avec George Stephanopoulos d'ABC News, n'a rassuré personne dans la mesure où le président, le candidat démocrate, donnait l'impression qu'il n'avait pas conscience qu'autour de lui, on était inquiet à la suite de cette contre-performance-là. Et là, aujourd'hui arrive le New York Times, un article fouillé dans lequel on apprend qu'à 8 reprises au moins au cours de la dernière année, un neurologue spécialiste de la maladie de Parkinson s'est rendu à la Maison-Blanche. La secrétaire de presse du président, Karine Jean-Pierre, a été bombardée de questions sur le sujet. Elle a souligné que depuis qu'il est entré à la Maison-Blanche, Julie, il n'a rencontré un neurologue que 3 fois à ses 3 visites médicales annuelles, donc, et qu'à aucun moment il n'a été traité, et il ne l'est pas maintenant pour la maladie de Parkinson. Écoutez-la bien. I can tell you this, just going back to Parkinson's for a little bit, so to give you some answers here, has the president been treated for Parkinson's? No. Is he being treated for Parkinson's? No, he's not. Is he taking medication for Parkinson's? No. Bon, pendant ce temps, Richard, partout où il passe, M. Biden répète qu'il est dans la course et qu'il est là pour rester. Il l'a dit à Madison dans le Wisconsin, Julie. Il l'a dit à Harrisburg en Pennsylvanie. Il l'a répété à Philadelphie alors qu'il rencontrait son équipe de campagne. Et puis, son message reste le même. Je suis là pour rester et je suis là pour gagner. Il a arraché une des pages du livre de Donald Trump aujourd'hui en donnant un appel à l'émission Morning Joe, une émission sur les ondes de MSNBC animée par Joe Scarborough et sa femme Mika Brzezinski. Ce qui est intéressant dans ce que il a dit aujourd'hui, c'est qu'il a adopté un autre discours, celui de « ce sont les élites qui veulent m'écarter, aux dépens des gens ordinaires auxquels je parle, qui eux sont attachés à moi ». Il insiste encore une fois pour dire qu'il n'a surtout pas l'intention d'abandonner cette course à la présidence. We're not going anywhere. I am not going anywhere. I wouldn't be running if I didn't absolutely believe that I am the best candidate to beat Donald Trump in 2024. We had a democratic nominating process where the voters spoke clearly. I want 14 million of those votes, etc. Je veux juste vous parler d'une chose, Julie, avant de vous laisser. C'est que pendant qu'on parle de tout ça, ça masque d'autres réalités dont on devrait parler dans cette course à la présidence, dont la violence armée. Je l'évoque parce qu'au cours des derniers jours, vous savez, c'était le long congé du 4 juillet, de la fête de l'indépendance. Ça, ce sont des images de Florence dans le Kentucky. 4 morts, 7 blessés. En plus de ça, il y a le tireur qui s'est enlevé la vie. Mais écoutez bien, Julie, pendant ce long congé à Chicago, 100 personnes ont été blessées par balle et 19 ont été tuées. Est-ce qu'on en a parlé? Mais absolument pas, parce qu'effectivement, on focalise beaucoup sur l'état de santé de Joe Biden, passant à Chicago, qui sera le rendez-vous de la Convention républicaine le mois prochain. Merci beaucoup, Richard. Je vous en prie, au revoir.